France, l'Italie. Même pour une marmotte, ça commence à devenir difficile. Alors pour moi, je vous raconte pas. On s'est calmé ici. Nous voici au col de la Seigne. Alors on est parti de un peu au-dessus de Courmayeur parce que hier on est parti de la tuile. Bonjour tout le monde, il est 5h moins quart. Kamae est toujours là, ce qui signifie que je ne continuerai pas à pied, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, bonne journée à tout le monde. J'aimerais bien reprendre un petit peu quand même. Mais du coup j'en profite parce qu'il y a Arnaud Thomas. Donc quand je vais le voir, on parle un petit peu. On voit un peu. Donc je prends un ou deux cours avec lui, ça m'arrive. Mais bon, quand on veut faire autre chose, ouais. Faut pas le faire, puis c'est autre chose. C'est un autre état d'esprit. Et puis je fais de l'attraction animale un peu. Ça fait deux jours que je veille un petit peu, là elle était au pré et elle se gavait. Elle se gave. Du coup, je l'ai... Mais elle a repris, bien. Ouais. Parce que là, apparemment, elle a pas perdu. Je l'ai pas vu avant, mais... Ouais. Ah, mais c'est l'air d'avoir perdu grand-chose. Il fallait l'avoir avant, hein, je suis sûr. Ah oui. Ah ouais. Au niveau de la stabilité du matos. En descente, impeccable. Ouais. Vraiment, j'étais surpris parce que je m'attendais. Je suis parti avec simplement un collier de chasse. Ouais. Du coup, je redoutais un peu le moment des fortes descentes. Oui. Impeccable. Pas une seule fois, là, ça allait passer devant, même quand j'étais en main et que je faisais l'effort de sangler de un ou deux trous. Donc là, vraiment super. Après, comme on en avait parlé, il est vrai que pour ce type de morphologie, il aurait fallu plus une selle sur mesure. Ouais, c'est vraiment ça, c'est avec ça. Un arçon. Ouais, là, c'est vraiment un arçon standard. Voilà. Et du coup, après, ça a été plus au niveau des passages rocailleux où vraiment elle engageait un seul postérieur, un seul antérieur, elle redescendait avec l'autre postérieur. Du coup, il y avait des tensions importantes. Là, la selle arrivait de temps en temps à tourner, mais c'était normal. Et voilà, c'était ces deux. Et en poids total, vous y avez mis quoi à peu près? En poids total, tout le matériel. Et le matériel et ce qu'il y a à l'intérieur. J'aurais aimé peser, en effet, pour savoir précisément le poids. Ouais, sur à peu près, quoi, approximatif. Je pense qu'on était sur du 30-35 kg. 35. Si on compte tout l'harnachement, plus tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, on était à 30-35 kg. Justement, elle a tendance, même sur une balade, à perdre un peu de poids. Ouais, ça se sent en fait. Et ça se sent et du coup je pars. Faut retendre. Je pars, je suis tendu là, vraiment. je vais chercher le crochet sous la selle presque en. C'est bon, je l'ai mais, eu. Mais en fait, il faut même pas craindre de tendre ça. Parce que ça les gêne nulle part quoi. Bien sûr, et c'est une lanière, c'est un cuir qui est assez souple. Voilà. Du coup, on peut se permettre en effet. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, ce système là. Malheureusement, à l'époque où je randonnais beaucoup, je ne l'avais pas encore trouvé. Ah ouais. C'est vrai que ça... Et puis c'est pratique du... Voilà, et puis les chevaux, ça ne les gêne pas. Voilà. Les deux me vont en fait. Parce que pleine, on appuie dessus, ça rentre. Mais vide, on peut venir passer ses doigts derrière, comme ça. Ah, exact. Et on a juste appuyé comme ça, ça sert. C'est vrai que mi-plein, on appuie, ça s'enfonce comme ça. Mais sinon, impeccable ça, du coup. Très pratique. Moi, j'avais du coup mon kawaii ici. Et j'avais le kawaii de Kamae, chacun son petit kawaii. Parce qu'en montagne, le temps tourne très vite. Mais oui. Éviter de tremper le matos à chaque fois. Du coup, mon kawaii, son kawaii, ça nous permettait d'être opérationnel. Un orage, tac, je mettais le mien, je descendais, je le mettais sur la totalité. Ça recouvre tout, hein. Ça vient de là à l'arrière. Et puis on était au sec, on pouvait continuer tous les deux au sec. Donc voilà, c'était super agréable. Bon, moi j'ai l'impression qu'elle est prête à repartir. on peut repartir. Il ne manque rien. Non, mais c'est sûr. Si c'était que nous, on serait déjà reparti. On repart, c'est parti. Il reste juste à trouver une nouvelle boucle. Moi, je partirais bien sur un truc comme ça. Mais attention, il va falloir marcher, par contre. Non, mais je ferais avec un cheval qui a l'habitude de me porter. Et c'est ce que j'avais dit dans l'interview. J'avais dit, je pense que... je suis quand même... je suis un peu critique dessus au départ. Mais je pense que ça peut quand même être un très bon produit du fait que, justement...
ça vienne dynamiser un peu l'assise. C'est ça. Voilà. Exactement. On va sentir la couture, ça va dynamiser, ça va pas gêner. Moi, c'est ce que j'avais peur au début, me dire, on les sent et c'est chiant. Au final, on les oublie très vite. D'accord. Et ça dynamise vraiment l'assise. Enfin, c'est-à-dire que je suis dessus, on n'a aucune douleur. Et c'est plutôt agréable au final. Sur du long terme, moi, j'ai été vraiment content. Bah ça, c'est une info intéressante. Et voilà. C'était vrai. On a fait celle-là, on en a fait une autre qui est en cours, là. Ouais. Mais c'est tout pour le moment. Mais voilà, c'est vrai que... Allez, au stade expérimental, quoi. Du coup, je suis plutôt... Après un mois de rando dessus, 700 km, ouais, mais c'est emballé. C'est quand même là qu'on s'en rend compte. Je suis plutôt emballé, ouais. Ouais, voilà, le matériel a été testé dans des conditions, je pense, on peut difficilement faire plus extrême. Et maintenant qu'on en parle, je me remets un peu les sensations à cheval. Voilà, c'est vrai que j'en tire quelque chose d'agréable. Je suis ravi. Donc c'est un bon point. Ce que j'aime bien, ce que j'ai beaucoup aimé, bon après voilà, c'est qu'on peut très bien venir simplement ici, là, sur la pointe des pieds. Exactement. Et puis dès qu'on fatigue un peu, on fait bien l'effort d'aller le poser là, et puis on vient appuyer, l'étrier à la forme, justement. Je pense que bon, forcément, ça a été fait exprès. Je pense pas que... Effectivement, il y a une forme pour un soutien de la voûte plantaire. Connaissant le développement, voilà, et ça, on le retrouve, et quand on en est à 9 heures de randonnée dans la journée, on met bien ses pieds au fond de l'étrier. Voilà, la forme de la voûte plantaire va vraiment venir jouer son rôle. On sent que ça va venir appuyer. Et c'est un petit confort supplémentaire sur la fin qui est fort appréciable. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un point, on va avoir un panorama. On voit qu'elle met les oreilles en avant. Elle va faire l'effort. Elle est attentive. Elle va faire l'effort d'aller jusqu'en haut. Et une fois qu'on est en haut, c'est impressionnant, elle peut se poser là pendant une minute, les oreilles en avant, et elle admire pendant une minute. Et ça a été son petit plaisir à chaque fois. Je te remercie vraiment Gaston Mercier, sans qui j'aurais jamais pu faire cette aventure, qui m'a écouté dès le départ et qui m'a prêté tout le matériel. On s'est rencontrés assez rapidement et... Bon, ils ont tout de suite accroché, et je pense que avec le délai de temps qu'on a eu, qui était très court, il a fallu faire confiance sans forcément avoir des garanties de retour. Et l'équipe Gaston Mercier a joué le jeu et a osé prendre ce risque. Et ben, maintenant, on en est où on en est. On est tous très contents de ce qu'on a vécu, je pense. J'en ai tiré là-dessus pour être honnête. J'en ai tiré aucune fierté, aucune satisfaction d'avoir fait ça. J'ai mis la vidéo pour vous montrer. Ouais. Mais même après avoir passé.